Ah si, c'est bon, c'est bon. Et qu'est-ce que c'est que ces bugs? C'est incroyable, je fais que découvrir des bugs. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui les amis pour 10 nouveaux secrets dans Minecraft, aujourd'hui je vous propose 10 secrets sur la redstone. C'est parti! Alors comme tu le sais certainement, la redstone se récupère d'une façon assez simple en minant la redstone, mais elle peut aussi se récupérer dans différentes structures, notamment dans les coffres que tu peux trouver dans plusieurs structures dont on parlera tout à l'heure. Mais savais-tu qu'il y avait un autre moyen de récupérer de la redstone? Ce moyen correspond à l'un des mobs de Minecraft. Est-ce que tu sais dans quel mob, enfin grâce à quel mob Minecraft tu peux récupérer de la redstone? Eh bien c'est tout simplement grâce à, je te laisse 10 secondes pour l'écrire dans les commentaires, on va voir si tu es très fort. Attention, 5, 4, 3, 2, 1... La sorcière. En effet, lorsque tu tues une sorcière, elle va dropper entre 0 et 3 objets. Résultat, tu vas pouvoir obtenir de la redstone. Tu as tout simplement une chance sur 8 de récupérer de la redstone. Donc là, je vais essayer de tuer des sorcières. Est-ce que je vais réussir à battre les probabilités et avoir des sorcières, enfin de la redstone en tuant moins de 8 sorcières? Attention, suspense. Oh bah parfait, j'en ai eu 2. Hop, immédiatement au bout de 3 sorcières, j'ai battu les probabilités. C'est cool parce que c'est assez rare. Et ça, je prends ça parce que tu vas voir que ça me sera très utile pour tout à l'heure. Savais-tu que la redstone avait exactement la même texture, simplement un changement de couleur, que la poudre à canon, la poudre de glowstone et le sucre? Regarde ça, si tu regardes tous les points, regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Là, le sucre un petit peu moins, mais là tu regardes 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Et c'est exactement les mêmes. Simplement, ils ont été un petit peu déplacés, les couleurs ont été modifiées, mais c'est la même chose. À la base, il n'y avait que la redstone, et ensuite, la poudre à canon, le sucre et la poudre de glowstone ont été rajoutés sur le modèle de la redstone. Alors comme tu le sais certainement, la redstone peut permettre de faire des systèmes électriques très sympathiques avec des pistons, des commandes blocs, bref, ça te permet de créer un nouveau monde dans Minecraft, un monde d'électronique. Mais savais-tu qu'avant c'était beaucoup plus galère? En effet là tu peux voir que je me balade tranquillement, voilà, je peux poser des blocs, voilà, des rails de redstone et ils restent en place, aucun problème. Mais savais-tu qu'avant c'était beaucoup plus compliqué? En effet, lorsque tu marchais sur un bloc de redstone ou qu'un mob marchait sur un bloc de redstone, eh bien il se cassait. Résultat, avant tu devais sauter par-dessus en essayant de ne pas le toucher et surtout faire attention à ce qu'il y ait bien de la lumière dans toutes les caves dans lesquelles tu mettais des systèmes de redstone, notamment si tu voulais faire des bases secrètes avec des portes, etc. Parce qu'avant, elle se cassait. T'imagines un petit peu la galère que c'était avant? Heureusement, ça a été modifié depuis et maintenant on peut marcher dessus sans que ça se casse. Alors comme tu le sais certainement, il existe un moyen très rapide et très efficace pour récupérer le gravier et le sable. Mais ça fait pas de mal de le repréciser parce que les gens ne sont pas forcément au courant, surtout pour les nouveaux joueurs. En fait, il suffit tout simplement de placer une torche en dessous du gravier et du sable pour ensuite les récupérer d'un coup. Ils vont tous cramer en fait. Eh bien, savais-tu que la redstone avait exactement les mêmes propriétés? En effet, regarde, si jamais je casse et que je mets une redstone... Pardon? Ah voilà. Oh lolo, j'ai réussi à faire bugger le jeu. Incroyable, bug en... What? Regarde ça. Oh, je viens de trouver un bug en direct. Lorsque tu fais un clic droit trop rapide, ça ne se casse pas. Alors que si tu le refais un peu plus lentement, ça se casse. Oh, incroyable les amis, on vient de trouver un bug en live. Incroyable. Même plus besoin de faire des vidéos 5 bugs dans Minecraft. C'est moi qui l'ai créé les bugs, hein. C'est moi qui l'ai créé. Je suis le dieu des bugs. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Mais c'est juste que t'es trop beau. Ah oui, d'accord, oui. Je veux bien te le concéder, c'est vrai. Alors comme tu le sais peut-être, la redstone dépend d'une valeur très importante, la puissance. En effet, lorsque tu actionnes le rail de redstone avec une torche de redstone par exemple, eh bien ça active le système mais avec une certaine puissance. En effet, la puissance ici, comme tu peux le voir, est beaucoup moins puissante que là-bas. Parce que en fait, la redstone a une puissance maximale de 15. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, et ici, pouf, la redstone est éteinte. 15 étant le maximum. Mais savais-tu qu'il existait une technique pour faire apparaître un bloc, un rail de redstone allumé sans torche de la puissance que tu veux? Et bien en fait, ce système, c'est tout simplement via une commande que voici, voilà, slash set block. Ensuite, tu mets les coordonnées du bloc que tu vises
et tu remplaces ce bloc par un fil de redstone de puissance entre 1 et 15. Par exemple, si je veux donner une puissance de 15, bien je mets 15. Et là, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ah, parce qu'il est juste en dessous de moi. Oh, ça pristille. Oh, bah ça marche pas. Encore un nouveau bug, mais c'est incroyable. Alors, à moins que ça ait évolué peut-être dans les trucs les plus récents, parce que... Attends, je vais réessayer. Est-ce que... Tac. Ah, ça s'éteint même pas. Ah, si, c'est bon. Et qu'est-ce que c'est que ces bugs? C'est incroyable, je fais que découvrir des bugs. Il faut faire deux fois la commande pour que ça s'active. Mais c'est complètement bugué, c'est incroyable le nombre de bugs qu'on découvre en live dans cette vidéo. C'est incroyable. Regarde ça, je refais, hop, là, hop, pas allumé. Hop, allumé. C'est la même commande. Comment une commande peut changer un truc? C'est dingue. Donc voilà, en tout cas, tu peux le voir ici. On a ici un bloc, enfin un rail de redstone qui fonctionne absolument normalement. Sauf qu'évidemment, il s'éteint lorsque je le chante. Tiens, regarde, est-ce que si je la mets, je le remplace, ça le réactive. Tac, tac. Ah, ça marche plus. Mais bref, voilà, j'ai pu faire bugger le système et surtout faire apparaître, en fait, un câble de redstone qui a de la puissance alors que, en fait, à côté, il n'y a absolument rien. Maintenant, on va tester, est-ce que ça active quand même le piston ou pas? Ah ouais, ça active le piston. Le temps d'une demi-seconde quand même. Donc ça peut être super utile pour faire un système en fait de boucle. Tu fais un système de boucle avec la puissance de la redstone et hop après tu peux tout simplement la changer quoi. Oh là là, c'est ouf, regardez ça, je viens de le faire apparaître avec de la puissance et pourtant ça n'active pas le piston. Alors que si je le casse et que je le replace exactement au même endroit, ça s'active. Franchement c'est pas merveilleux le monde de la redstone, moi je trouve ça formidable. Savais-tu que la redstone était utile dans les potions pour faire augmenter la durée des... comment ça s'appelle, Blaze? Hop, pour faire augmenter la durée des potions, notamment par exemple la durée d'une potion de régénération. Et savais-tu également que ça marchait avec les potions d'eau? Regarde ça là, tu vois, j'ai une potion d'eau qui n'a aucun effet. Eh bien tu vas voir que cette petite redstone, tranquillou, va faire son petit chemin dans le petit conduit de potions et va me donner une nouvelle potion d'eau. Mais attention, pas n'importe quelle potion d'eau. Une potion d'eau mundane, c'est-à-dire voilà, qui rajoute de la durée, mais ça reste une potion d'eau. Par contre, il faut faire attention à ce que tu fais parce que ça réduit également la puissance de moitié. Si jamais tu mets une potion de niveau 2 avec de la redstone, ça la passera niveau 1. Donc fais attention parce que si tu fais avec ça avec des potions de heal, c'est plutôt dommage. Alors comme tu le sais, dans mes top 10 sur les secrets de Minecraft, j'adore me plaindre que la version Bedrock ou la version Pocket Edition a toujours des exclusivités par rapport à la Java. Et voilà, bonne nouvelle, il n'y a pas plus de redstone que tu peux trouver dans n'importe quel coffre du jeu. Et voilà, bonne nouvelle, quel que soit le coffre dans la version Java ou Bedrock, eh bien c'est exactement la même probabilité. Tu peux en trouver 2 ou 3, etc. Par contre, là où ça change, parce qu'il y a toujours des choses qui changent, c'est la probabilité d'en trouver tout simplement dans les coffres en question. Et pas la probabilité d'en avoir par exemple 1, 2 ou 3. Ça c'est la même. Et ce qui est bizarre, c'est que ces probabilités qui changent ne concernent que les forts. Sinon le reste, c'est exactement les mêmes probabilités. En effet, dans la version Java, tu auras 19% de chance de trouver de la redstone dans les coffres d'entrepôt et 12,2% de chance d'en trouver dans les coffres d'hôtel. Alors que dans la version Bedrock, ces probabilités passent à 15,4% et 11,8%. C'est extrêmement précis. Et pourquoi faire différent des autres alors que tous les autres coffres c'est pareil? Je sais pas. Mais vraiment, moi ça me fatigue cette différence entre les versions Minecraft, j'en peux plus. J'en fais des cauchemars la nuit. Savais-tu qu'entre 2016 et 2018, il y avait 5 mises à jour Windows 10 qui portaient le nom de Redstone, en référence bien évidemment à Minecraft, qui appartient désormais à Microsoft. Je trouve ça vraiment super fun, des easter eggs, et ça c'est cool parce que ça montre vraiment que Microsoft chérit à fond Minecraft, que tout le monde aime Minecraft, même chez Microsoft, et du coup ça fait plaisir d'avoir ces petits easter eggs comme ça. Et savais-tu que la Redstone était le bloc qui avait le plus de combinaisons possibles dans tout Minecraft? En effet, elle bat le feu qui a 512 utilisations et combinaisons possibles, et le not block qui en a 800. Ça, j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai appris ça. En effet, le bloc de redstone a 1296 combinaisons possibles. Alors là, on parle des données en 1.15.2, peut-être qu'il y en a plus maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est énorme et c'est surtout le bloc de tous les records. Et pour finir les amis, savais-tu que jusqu'à la 1.8 il y avait un moyen d'avoir de l'obsidienne infinie avec une seule source de lave et une source d'eau sans que ça crame la source de lave? Alors en fait la construction est très simple, tu devais faire un petit tour comme ça, ensuite tu devais finir la construction ici, faire un trou devant et poser un bloc d'eau ici, de sorte à ce que ça coule par là et pas ici. Ensuite, et ben c'est très simple, tout ce que tu vas faire c'est par exemple fermer ici, ensuite tu poses un rail de redstone ici et ensuite regarde ce qui se passe, lorsque je pose un seau de lave, pouf,
ça devrait transformer... Regarde ça! Regarde ça! Ça a donné un bloc d'obsidienne alors que c'était de la redstone! Ça n'a absolument rien à voir! Bon, par contre, la redstone, quant à elle, elle a bien disparu. Évidemment, si jamais tu laisses le truc couler, bah là, pour le coup, ça va boucher le trou. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, si tu spams la redstone très rapidement, et bah du coup, tu peux obtenir plusieurs blocs d'obsidienne, en fait, à l'infini. Regarde ça, là, ça se transforme en obsidienne. Hop, je casse, je pose de la redstone. Ah zut, je suis loupé. Voilà, je recommence. Hop, je pose en dessous. Et là, regarde ça. Hop, obsidienne. Hop, redstone. Hop, obsidienne. Et là, tu vois, t'as de l'obsidienne à l'infini. C'est quand même plutôt pratique parce que comme ça, ça t'évite d'avoir plusieurs seaux de lave à aller chercher en étant obligatoirement dans les caves ou avec un gros stock de seaux de lave à la surface. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que tu ne savais peut-être pas sur la redstone. J'espère t'avoir appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne avec le bouton qui se trouve à gauche de ton écran. N'hésite pas aussi à regarder une autre de mes vidéos avec le bouton qui se trouve à droite de ton écran. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, sœur, la vie est belle. High five!